Alors, il serait évidemment démesuré de prétendre en moins d'une heure dresser un tableau exhaustif de l'histoire des études en culture matérielle, même en se limitant à la France. Je vais plutôt tenter de poser quelques jalons autour de références marquantes en faisant le point sur l'état actuel de ce champ d'études, tout en réfléchissant au contour même de la notion de culture matérielle. Mes références seront occidentales, françaises et anglo-saxonnes principalement, et j'illustrerai mes propos à l'aide d'exemples empruntés à mon terrain afin de vous montrer concrètement ce que peut être une anthropologie qui prend en compte la matérialité des choses, et je ne dis pas une anthropologie de la culture matérielle ni une anthropologie de l'objet. J'insisterai particulièrement sur l'idée de biographie d'objet, méthode souvent évoquée par l'anthropologie ou l'archéologie, mais finalement assez peu appliquée à des cas concrets. Des cas choisis sur mon terrain permettront de rendre tangible cette application de méthode. Et j'aimerais terminer en ouvrant la discussion sur l'étude de cas singuliers et la nécessaire ouverture interdisciplinaire dans le domaine des études matérielles. Alors partons d'une question de vocabulaire. Qu'entend-on en sciences humaines et sociales par la formule « culture matérielle » La réponse pourrait prendre des heures, car l'expression n'a pas la même signification selon les disciplines, les pays, les périodes, voire les écoles de pensée. Par exemple, pour l'anthropologie, le seul mot « culture » donne lieu à des développements considérables et la matérialité elle-même peut poser question, tant la frontière entre matériel et immatériel est parfois poreuse et labile. Aux origines, le vocable vient essentiellement de l'archéologie. Pour les archéologues, la culture matérielle d'un site ou d'une classe sociale désigne traditionnellement l'ensemble des objets mobiliers collectés lors d'une fouille ou caractérisant un groupe humain. La notion était adoptée par l'ethnologie des origines pour désigner les objets mobiliers et immobiliers fabriqués par les hommes et présents dans leur milieu quotidien. Marcel Mauss, dans ses cours repris sous forme de manuel d'ethnographie, rassemble sous l'étiquette « archives matérielles » l'enregistrement des techniques et la collecte systématique des objets sur le terrain d'enquête. Cette collecte est pour lui destinée au musée d'ethnographie, car dans cette discipline, dès qu'on parle d'objets, on pense musée. Aux origines, nous dit l'ethnologue Jean Jamin, l'objet est un échantillon de civilisation qui ne peut ni mentir ni se tromper. C'est ce que Martine Segalen appelle la sacro-sainte doctrine de l'objet témoin. Ainsi, l'idée de culture matérielle des origines de l'anthropologie est proche de celle de l'archéologie traditionnelle. C'est l'idée d'un stock, d'un ensemble de choses matérielles déterminées une fois pour toutes. Alors, les images qui défilent derrière moi ont été prises dans le cadre d'une enquête en cours sur un site de production industrielle de céramique. Cela se situe en Saône-et-Loire, dans la commune de Pouilloux. Le lieu-dit s'appelle le Pont des Vernes. Les objets se trouvent dans des collections privées, comme ici, une photographie prise dans les années 2000. Voilà une exposition de l'écomusée créée en 2013. L'exposition était créée en 2013, mais elle se perpétue jusqu'à 2015. Nous voyons certains des mêmes objets qu'on a vus auparavant dans la collection privée. Et on retrouve aussi ces mêmes objets sous forme de débris, dans un dépotoir industriel que j'ai fouillé en 2012 et 2014. Donc, cette idée de stock matériel, on retrouve encore tardivement ce positivisme de l'objet et des techniques. Pour Robert Cresswell, par exemple,
anthropologues des techniques, ils sont, pour l'anthropologie, une condition de consolidation scientifique de la discipline. Car il est très difficile, sinon impossible, je cite Robert Creswell, car il est très difficile, sinon impossible, de tricher avec ce qui, inéluctablement, de par sa nature même, se manifeste matériellement. Le matériel et les techniques, donc, seraient d'un accès plus facile, plus certain, plus stable à l'anthropologie sociale, sous prétexte qu'il s'agit de choses matériellement tangibles. Pierre Lemonnier, dans le même ordre d'idées, rappelle que, je le cite, tout en étant convaincu du caractère insécable des relations entre l'action sur la matière et les autres aspects d'un système d'action et de pensée, il est impossible, concrètement, sur le terrain, de mener une recherche sans avoir ces catégories arbitraires à l'esprit, catégories matérielles et immatérielles. C'est pour lui, donc pour l'anthropologue Pierre Lemonnier, un débat éculé que celui qui vise la séparation entre la matérialité des objets et des techniques d'une part, les organisations sociales et les systèmes de pensée d'autre part. De nombreux anthropologues ont depuis démontré que l'objet matériel ne constitue pas un témoignage plus fiable que l'écrit ou que le discours qui serait malléable et subjectif. L'anthropologue Nicolas Thomas, par exemple, a souligné comment, selon les situations et les contextes, donc dans le cadre des différentes étapes de leur parcours, les objets deviennent autre chose que ce qu'ils étaient précédemment et sont en cela tout aussi subjectifs que ce qu'on regroupe parfois sous le vocable flou d'immatériel. En relisant d'un peu plus près les textes des grands auteurs, nous nous apercevons que cette remise en cause était déjà présente chez eux au début du XXe siècle. Pour Mauss lui-même, dans les années 1927-1928, plus que l'objet de collection, c'est son usage qui doit être étudié. Je le cite, « Une erreur de beaucoup d'ethnographes éminents est de se borner aux collections. Or, en dehors des objets, la façon de s'en servir est de la plus haute importance. » En jetant les bases de la technologie culturelle, il a cette intuition, je cite, « Tout objet n'est qu'un moment de l'acte industriel. Il s'agit de replacer l'objet à son rang et à sa portion congrue. Il faut replacer l'objet technique dans son industrie, l'industrie dans son métier, le métier dans la société. Étudier aussi les idées mythiques mêlées aux idées techniques, et je souligne la phrase qui suit, savoir ce qui se passe dans la tête des gens au moment où ils emploient un objet. Le matériel, l'objet matériel, ce sont des hommes qui produisent et utilisent ces objets. Alors ici, nous voyons un tourneur potier au travail dans l'usine de Pont-d'Hiverne dont j'ai parlé. C'est en 1947. Et à droite, la famille Langeron, les industriels céramistes de Pont-d'Hiverne vers 1895. Et nous voyons un détail sur la photo où un des membres de la famille Langeron verse un verre à son cousin avec une bouteille fabriquée dans l'usine. Donc, on voit bien ce que veut dire Mauss quand il est important de savoir ce qui se passe dans la tête des gens quand ils utilisent ou quand ils fabriquent un objet. Nous avons ici deux situations totalement différentes de rapport entre l'homme et l'objet qui mériteraient des analyses de ce que ces hommes ont à l'esprit au moment où ils accomplissent ces gestes. Pour Marcel Mauss et pour la plupart des anthropologues des techniques, l'objet fait partie intégrante d'un système et n'existe pas en dehors de lui. L'idée était également sous-jacente chez l'ethnologue Bronislav Malinowski, qui soulignait combien il serait réducteur de limiter l'objet à une interprétation exclusive à partir de l'exemple du canoë mélanésien, qu'il qualifie d'élément de la culture matérielle.
je le cite, « La réalité ethnographique du canoë demeure fort étrangère à qui l'étudie hors de son cadre naturel, au musée notamment, car elle nécessite des informations sur la vie type et l'histoire du canoë, et cela va bien au-delà de la matérialité de l'objet. Pour l'indigène comme pour le matelot blanc, toute embarcation est auréolée d'une légende faite de traditions et d'aventures personnelles. C'est un objet de culte et d'admiration, une chose vivante qui a son individualité propre. » Et en filigrane des réflexions de cet ethnologue fonctionnaliste qui était Malinowski, revendiquant la constitution d'un savoir scientifique, s'annonce déjà la biographie d'objets. Alors voilà donc Malinowski qui nous parle de la vie type de l'histoire du canoë, d'une chose vivante qui a son individualité propre. Et nous voyons ici une maquette de locomotive donnée par la famille du maquettiste Lucien Motu au musée de l'homme et de l'industrie du Creusot, à l'écomusée du Creusot. Les objets avaient été conçus, donc on voit une maquette à droite, avaient été conçus et fabriqués par le grand-père, Lucien Motu, et sa famille est à gauche. C'est un peu de la mémoire familiale qui se retrouve dans les vitrines du musée, bien au-delà du simple objet technique. Même chez un théoricien de l'objet témoin, dans les années 1960, est exprimée l'idée de la part immatérielle de l'objet matériel. Pour Jean Gabu, en 1965, l'objet est le personnage principal de l'exposition didactique. Je le cite, « La collecte d'objets n'est pas seulement ethnographie matérielle, dans le sens restrictif du terme, histoire, document ou référence, c'est également un cheminement vers le théâtre de l'espèce humaine. C'est un univers où rien ne sépare plus les êtres des choses. Ne pourrions-nous pas, au musée, tenter de le dire ? » Donc, l'idée d'une culture matérielle comme un stock de choses concrètes, strictement distinct de l'immatériel, n'a en fait jamais véritablement convaincu. Les années 1990 ont vu renaître la formule culture matérielle avec pour objectif de nommer un champ de recherche laissé un peu en friche par l'ethnologie dans la mouvance du structuralisme. Celui-ci se consacrait au mythe, au système de parenté, au symbolique, négligeant un peu le substrat matériel de la vie sociale. Le champ était entièrement laissé à la sociologie de la consommation, par exemple à Jean Baudrillard et son système des objets, l'ouvrage de Jean Baudrillard, Le système des objets. L'anthropologue français Jean-Pierre Varnier, dans les années 90 donc, a fondé son groupe de recherche Matière à penser avec l'ambition avouée de bâtir une théorie générale de la culture matérielle. Le projet, qu'il présente par exemple dans son livre Construire la culture matérielle, est d'articuler les travaux de Marcel Mauss sur les techniques du corps et les travaux de Michel Foucault sur la notion de sujet, en multipliant les études sur le processus de subjectivation par les objets matériels et les techniques. Pour reprendre les principales idées de Varnier, toute technique du corps est une technique d'objet. Objet et sujet se construisent mutuellement. Pour illustrer cette idée, j'ai choisi de vous parler d'un collectionneur qui s'appelle Michel. Il est collectionneur de céramistes. Nous voyons sa collection à droite sur les étagères d'objets qui ont été fabriqués dans l'usine de Pont-d'Hiverne. Il est aussi artiste, peintre. On devine en haut à droite, au-dessus de la fenêtre, un autoportrait qu'il a fait. Il est sculpteur et céramiste. La statue du saint qui partage son manteau en deux, et j'ai oublié son nom, Saint-Martin, je ne l'ai pas mis pour les traducteurs, c'est la statue de Saint-Martin qu'il a réalisée en céramique. C'est son œuvre. Donc on le voit en photo dans le miroir, c'est Michel. C'est sa création, il a modelé cette statue, il l'a émaillée et il l'a fait cuire.
Donc, il crée des objets, il collectionne des objets, il les expose et il construit sa propre personne autour et avec les objets. On peut parler, comme Jean-Pierre Varnier, d'une construction mutuelle sujet-objet. La mise en place d'enseignements, de colloques et la publication de nombreux ouvrages et articles ont valu à cette remise au goût du jour de la culture matérielle quelques attaques virulentes, notamment de la part d'héritiers d'André Leroy-Gourhans. Alors que celui-ci, dès les années 40, 1940, avait mis en évidence l'absurdité de la séparation de la face sociale et de la face matérielle de l'existence des groupes, comment pouvait-on, 50 ans plus tard, reprendre la locution culture matérielle? Le groupe Matière à penser a répondu à ces critiques en revendiquant l'expression comme un drapeau ou une pancarte plantée sur un tas de faits divers, c'est-à-dire ces objets, ces techniques, ces gestes et ces choses que l'anthropologie contemporaine avait tendance à négliger. Dans la même optique, en 1996, la revue Ethnologie française intitulait un important numéro « Culture matérielle et modernité ». Les auteurs expliquaient que parler de culture matérielle était une commodité de langage, permettant d'établir un parallèle avec les « material culture studies » anglo-saxonnes. Même si l'on pourrait discuter la traduction littérale de l'anglais « material culture » en « culture matérielle », la volonté de s'inscrire dans la dynamique des « material culture studies » est légitime, tant ce domaine des sciences sociales se montre actif en Angleterre et aux États-Unis. En atteste la publication en 2006 d'un collectif qui fait désormais autorité, le « Handbook of Material Culture ». Mais, et c'est un point essentiel, les chercheurs les plus en vue tiennent à se démarquer d'une vision matérialiste du matériel. Dans son introduction au Handbook of Material Culture, l'archéologue Christopher Tiley constate que la notion même de matérialité est hétérogène et ambiguë, et que l'objet scientifique des Material Culture Studies n'est pas strictement définissable, tout comme le concept de culture peut avoir, selon lui, 100 définitions possibles. Je le cite, on ne peut jamais vraiment déterminer de façon abstraite où commence ou se termine une chose ou un objet, une personne, la culture ou la culture matérielle. Tout dépend du contexte d'analyse et de recherche. Un terrain anthropologique, ainsi, ce sont des choses hétéroclites. Ce sont des rencontres, des paysages, des bâtiments, des portraits, des images et des objets de patrimoine. Ici, nous sommes sur le site d'une ancienne usine où j'ai rencontré les héritiers des propriétaires qui se retrouvent à la tête d'une usine évidemment fermée depuis les années 60, mais dont ils ont conservé les bâtiments, une partie des stocks, les fours, vous voyez à droite, la photo représente un four à poterie encore en élévation. Et vous voyez à gauche une photo de stock de bouteilles de céramique. Et voilà les éléments hétéroclites sur lesquels nous travaillons en anthropologie autour des objets. Ce sont des objets parfois marginaux. En bas à gauche, c'est tirelire en forme d'escargot, fabriqué dans la même usine que celle dont je vous parle tout à l'heure. En haut, ce sont des calques de moules, pour aller vite, pour faire simple. Donc des documents techniques retrouvés dans les archives de l'usine. Et au centre, voici le portrait d'un des directeurs de l'usine au XIXe siècle. Et puis des documents publicitaires. On voit apparaître un pot à moutarde qu'on connaît pour avoir été fabriqué par les usines Langeron. Daniel Miller, un des sociologues de la consommation qui s'est le plus interrogé sur les objets en sciences sociales dès la fin des années 80, notamment à travers, il est l'initiateur du Journal of Material Culture,
il remet en cause la matérialité elle-même. Il souligne la pluralité de ses formes et la friabilité de la notion de chose. Je le cite, « Une image éphémère, un moment dans une vidéo en ligne, est-ce une chose ? Ou si l'image est figée comme un instantané, est-elle alors une chose ? Et un rêve, une ville, une sensation, un produit dérivé, une idéologie, un paysage, une décennie, un baiser, sont-ce des choses ? Je n'en ai pas la moindre idée. » Ce doute sur la nature des choses matérielles ou immatérielles, ou les deux à la fois, constitue en même temps la principale difficulté et l'originalité heuristique des enquêtes en sciences sociales sur notre rapport aux objets. En France, le mouvement de déconstruction de l'objet témoin est venu de Suisse, plus précisément du musée d'ethnographie de Neuchâtel et de son directeur des années 1980, Jacques Hénard. Au fil des expositions et des publications qu'il dirigea, il a dynamité la notion en lançant, par exemple, en 1984, je le cite, « La muséographie contribue à la manipulation au sens premier du terme. Comprendre encore une fois les objets en les triturant à travers le bricolage, la récupération, la gadgetisation et la perversion. Comprendre en rappelant combien l'objet n'est la vérité de rien du tout. » L'exposition et le livre d'où est tirée cette citation s'intitulait explicitement « Objet prétexte, objet manipulé ». Et la dernière phrase « L'objet n'est la vérité de rien du tout », cette phrase choc, était dans le texte en caractère gras. Cette idée, dont on n'a pas fini de mesurer la portée, est encore difficilement acceptée dans le milieu des musées d'ethnographie et des musées de société. Jean Jamin, l'ethnologue que j'ai déjà cité, Christian Bromberger et la sémiotechnologie, Jean Bazin, un autre ethnologue, et d'autres ont participé à ce mouvement de déconstruction dans le sillage surtout de Jacques Hénard. La matérialité n'est plus ce qu'elle était. L'objet ne témoigne de rien du tout. La culture matérielle est aussi et surtout un ensemble de choses intangibles. Y a-t-il encore débat ? Il y a désormais un accord assez général en sciences sociales pour dépasser la définition positiviste de la culture matérielle. Et qu'on le veuille ou non, utiliser cette locution, que ce soit comme drapeau, comme pancarte ou comme expression commode, revient à maintenir un dualisme qu'il s'agit précisément de dépasser. Il me semble donc préférable de réserver cette formule à la seule désignation d'un champ de recherche interdisciplinaire au contour souple. Ce champ est celui des anthropologues, des archéologues, des historiens et sociologues qui consacrent leurs recherches aux choses et à leur place dans la production, dans l'échange, la consommation, la mémoire, la construction symbolique, etc. Mais il serait improductif de chercher à unifier l'ensemble des sciences humaines et sociales sous une même bannière et, à mon avis, une théorie générale de la culture matérielle est vouée à l'échec. Venons-en à la méthode biographique, qui est l'une des voies de renouvellement du champ de la culture matérielle, en ce qu'elle remet en cause le positivisme sous-jacent de la notion. Le modèle de vie des choses, ou de biographie des choses, a été principalement construit dans l'ouvrage collectif dirigé et introduit par Arjun Appadurai, The Social Life of Things, en 1986. L'ambition d'Appadurai était de proposer une anthropologie économique qui prenne en compte les choses comme acteurs à part entière des échanges. Les marchandises, comme les personnes, ont des vies sociales, caractérisées par la valeur incorporée au fil des échanges. Dans cet ouvrage collectif, c'est l'article d'Igor Kopitov qui a connu la plus large et la plus durable notoriété, sans doute avant tout du fait de l'audace de son titre, qui était « The Cultural Biography of Things, Commoditization as Process ». Ce qui en a été retenu, c'est l'idée de biographie des choses, et moins celle de commoditization, marchandisation. Spécialiste de l'esclavage en Afrique, Kopitov applique le modèle de l'esclave aux objets matériels et constate que la marchandise n'est qu'un objet dans une situation transitoire.
Pour l'objet comme pour l'esclave, être marchandise n'est pas un état définitif ni un statut immanent, mais une étape dans un parcours biographique. La marchandisation, commoditization, est un processus, celui des successives singularisations de l'objet et des reclassements qu'il subit dans les différents mondes sociaux qu'il traverse. Je cite Kopitov, « En faisant la biographie d'une chose, on peut poser des questions similaires à celles qu'on pose au sujet des gens. Quelles sont, sociologiquement, les possibilités biographiques inhérentes à tel statut, dans telle période et telle culture, et comment ces possibilités se réalisent-elles ? D'où vient la chose et qui l'a fabriquée ? Qu'a été sa trajectoire jusqu'ici et qu'est-ce que les gens considèrent comme une carrière idéale pour une telle chose ? Donc Kopitov crée le concept de vie bien vécue, well-lived life, qui permet à Kopitov de comparer le statut de choses semblables dans différentes sociétés. Pour rendre plus clair son point de vue, Kopitov donne l'exemple d'un tableau de Renoir dont la biographie s'achèverait dans un incinérateur, ce qui est un événement aussi tragique, dans un certain contexte, que l'assassinat d'une personne. Une autre de mes enquêtes se déroule en Bourgogne, à Alise-Sainte-Reine. C'est le site de la bataille d'Alésia, où Vercingétorix s'est rendu à Jules César. Des fouilles archéologiques menées au début du XXe siècle avaient mis au jour un ensemble d'éléments de vaisselle métallique. Nous voyons les photos d'origine à gauche. Donc, vous voyez une vaisselle extrêmement morcelée, abîmée par les siècles passés sous terre. Et parmi cette vaisselle, il y avait un morceau de plat ovale, ou en tout cas qui est devenu ovale par une restauration en 1960. Et vous voyez à droite l'objet restauré. Ce plat ovale a été accaparé par une association de catholiques qui en a fait le symbole des chrétiens d'Alise, célébrant chaque année la sainte locale. Donc j'ai mis un objet archéologique 4e siècle, c'est la date supposée de fabrication, mais ça a entraîné à l'époque un débat sur cette date, débat qui avait un impact notamment sur la localisation de la bataille d'Alésia. Je ne peux pas entrer dans ces détails ici. Et donc ce plat au poisson est devenu, sous l'influence du curé du village, un objet rituel. On le devine à gauche sur la photo où la jeune fille en rouge le porte sur un présentoir. Présentoir qui était en fait une boîte à cigares. Je connais tout le détail de cette histoire. Donc l'objet de musée qui était inventorié dans le musée d'archéologie était chaque année extrait des vitrines pour être présenté dans la procession rituelle. Et c'est un objet qui est représenté aujourd'hui sur la tombe, on le voit à droite, sur la tombe du curé, ce curé qui avait poussé à l'intégration de l'objet au rituel. Donc on voit le dessin de ce plat ovale avec un poisson au milieu. Ce qui fait que cet objet est devenu en quelque sorte une invention du prêtre qui en a fait un objet symbolique d'un point de vue chrétien, qu'il a associé à un rituel pluriséculaire lié au martyr de la Sainte, mais qui n'est en aucun cas son inventeur archéologique. Ce n'est pas le curé qui l'a découvert lors des fouilles archéologiques. Toutefois, la mémoire orale locale appelle ce plat le plat au poisson du père Jovignot, du nom du curé qu'il a intégré dans le rituel. C'est-à-dire que cet objet, comme on le voit, change de statut, change d'identité au fil des ans, au fil des actions que les hommes en font autour de lui, font avec lui, au point d'être devenu à la fois un emblème chrétien, un emblème de Sainte-Reine, un emblème d'Alise Sainte-Reine et un emblème du curé lui-même
puisqu'il est carrément représenté sur sa tombe. Donc c'est un exemple assez exceptionnel de biographie d'objet qu'on peut retracer dans le détail avec ses lacunes, mais qui nous montre vraiment comment le statut des choses est évolutif. La notion de biographie des choses a fait florès, y compris chez les archéologues et les historiens. Elle implique d'assumer une terminologie généralement assignée aux vivants. Et c'est ce que fait par exemple l'historien Vincent Azoulay dans un livre récent où il retrace le parcours du groupe statuaire des tyrannicides d'Athènes, qu'il considère tout au long de son livre comme un organisme vivant, suivant à travers les siècles ce monument personnage dont l'image est encore aujourd'hui, l'image et les symboles associés demeurent encore aujourd'hui vivaces. L'auteur rejoint ainsi les archéologues qui, depuis les années 1980-1990, ont admis que les objets ne formaient pas simplement le décor d'une scène sur laquelle se déroulaient des actions humaines, mais faisaient partie intégrante de ces actions. Un numéro de la revue World Archaeology, en 1999, a entériné ce mouvement, intitulé The Cultural Biography of Objects. Il se référait explicitement à Igor Kopitov. Les auteurs appelaient à penser biographiquement, thinking biographically, puisque, comme les individus, les objets sont soumis, on l'a vu, soumis à des changements constants, étroitement entremêlés aux changements sociaux. Des historiens comme Christophe Pomian, des historiens de l'art, Thierry Savatier, son travail sur l'origine du monde de Courbet, des ethnologues, Sébastien Boulet et sa biographie de Tente en Mauritanie, se sont depuis efforcés de penser biographiquement, c'est-à-dire de penser les objets comme processus, entités en permanent devenir. Les objets sont toujours en devenir. Au fil des situations, ils deviennent autre chose que ce qu'ils étaient. L'accessoire utilitaire devient souvenir de famille, le souvenir de famille devient objet marchand, le déchet abandonné devient objet de collection, et le rebut devient objet de décor, etc. Ce devenir est imprédictible et réversible, c'est-à-dire que l'objet de collection peut redevenir déchet ou objet marchand. Cette idée était déjà présente chez l'anthropologue Nicolas Thomas, que j'ai brièvement cité, au sujet des objets ethnographiques d'Océanie. Il a cette phrase: les objets ne sont pas ce pourquoi ils ont été fabriqués, mais ce qu'ils sont devenus. Alors cette cruche à bière, c'est le nom qu'on donne à ce type de bouteille au XIXe siècle, destinée donc à conditionner de la bière et à commercialiser en petite quantité, ce qui était nouveau, relativement nouveau pour l'époque en France. Elle est ici photographiée à gauche dans ma propre cuisine et elle peut être datée grâce à sa marque de fabrique. Vous la voyez en dessous. On ne peut pas trop lire ici ce qui a marqué, mais c'est la marque de fabrique qui était apposée sur toutes les bouteilles de ce type. Elle nous permet de dater cet objet de 1856 avec une certitude et une précision très, très nette. C'est l'un des objets les plus anciens attestés dans ce domaine et dans cette région de production. Ça n'est pas l'usine de Pont-des-Vernes dont je vous parlais, c'est une usine qui est juste à côté, qui fabriquait le même type de produit. Mais l'objet n'est pas encore reconnu en tant que tel. Il n'est pas encore reconnu en tant qu'objet le plus ancien et le plus singulier, finalement, de ce type de production. Il a été acheté par un ami 5 euros chez un brocanteur, alors qu'évidemment, sa valeur patrimoniale, si vous voulez, sa valeur muséale, est évidemment incommensurable par rapport à ces 5 euros. Mais tant qu'on n'a pas écrit, publié l'histoire de cet objet et retracé, reconstruit sa singularité, finalement, on ne peut pas dire que c'est un objet d'une grande valeur
il n'y a pas de marché autour de ce type d'objet. Et on voit bien que cet objet est en, pour le coup, on le saisit au début de son devenir, si vous voulez. Cette façon, cette manière d'appréhender le monde matériel correspond à ce que Janet Hoskins, elle-même auteure d'un ouvrage titré « Biographical Objects », a appelé l'adjunctive turn, le tournant agentif, si on veut traduire approximativement, le tournant agentif des sciences sociales à la charnière des années 1980 et 1990. Les objets deviennent acteurs des situations sociales, ayant des effets sur les rapports humains, disposant donc d'une forme d'agentivité, d'agency. C'est le nom d'Alfred Gell qui vient d'abord à l'esprit avec son ouvrage « Art and Agency », où il théorise la résistance des objets. L'objet orné, comme l'objet d'art, résiste au regard de l'individu en rendant insaisissable le processus complexe qui a mené à sa création. L'ouvrage d'Annette Weiner, « Inalienable Possessions » sur les objets précieux en Mélanésie, que l'on conserve tout en les donnant, « Keeping while giving », est à inscrire dans ce même mouvement, ainsi que dans un registre différent, évidemment, les travaux de Bruno Latour, qui inverse la proposition de Durkheim et invite à penser les choses comme des faits sociaux. Les travaux de la sociologie pragmatique, Antoine Aignon, Bessy et Château-Renaud, qui parlent des attachements et effets réciproques des objets et des acteurs. Les travaux de Marc Auger sur les fétiches africains, le dieu-objet, le fétiche doué de vie, c'est-à-dire doué d'une puissance de relation. Je ne souhaite pas vous noyer sur les références, on se reportera au texte de Janet Hoskins dans le Handbook of Material Culture. Cet adjunctive turn, pour aller vite, consiste à tenir compte de l'existence, dans certains contextes, d'objets-personnes. Pour reprendre les termes de Nathalie Hennick, je la cite, « La personne n'est pas une essence, mais une fonction qui, appliquée à tel ou tel être, le rend insubstituable. Ainsi adviennent ces objets-personnes, fétiches, reliques ou œuvres d'art. Il existe des gradations sur l'échelle des états, de sorte que les êtres peuvent être plus ou moins des personnes, selon leur nature et selon les circonstances. » Fin de citation. Nous retrouvons le modèle processuel de Kopitov qui affranchit les choses de toute catégorisation figée et définitive. Et finalement, nous en revenons à Marcel Mauss. Dans ce formidable texte qu'est l'essai sur le don, de 1925, les analyses de Marcel Mauss concernant les choses données, vendues ou échangées sur différents terrains considérés nous amènent aux sources de la perspective biographique, à travers l'émergence de la notion d'objet-personne. Comparant la société française traditionnelle et rurale au terrain mélanésien et nord-américain, Mauss montre que, je cite, « les choses vendues ont encore une âme, elles sont encore suivies par leur ancien propriétaire et elles le suivent. Les choses sont à la fois richesse et signe de richesse, choses à donner ou à détruire. » Et cette belle phrase aurait pu nous servir de fil rouge, je la cite, « on mêle les âmes dans les choses, on mêle les choses dans les âmes, on mêle les vies, et voilà comment les personnes et les choses mêlées sortent chacune de sa sphère et se mêlent. » Ce qui est précisément le contrat et l'échange. Voilà, fin de citation de Mauss. Ainsi, les écrits de Marcel Mauss demeurent, et pas seulement en France, une référence obligée pour l'anthropologie des techniques, comme pour l'anthropologie se consacrant aux objets en tant qu'acteurs de la vie sociale. Sur l'objet donné, j'ai évidemment croisé beaucoup d'éléments d'information sur mon terrain. Voici la collection d'une dame qui s'appelle Josette. Elle collectionne les céramiques que maintenant vous devez reconnaître depuis tout à l'heure, ce sont les mêmes types, les mêmes modèles d'objets qui sortent de la même usine. Et au sein de sa collection, vous voyez, là, elle avait sorti sa collection sur la table de sa salle à manger
pour ma venue, elle distingue très nettement ces deux petits objets en couleur qu'on voit ici au centre de la photo. Et je vous laisse lire la phrase qu'elle m'a dite. Elle me dit, c'est la paire de pichets que mon père avait gagné au boules, c'est-à-dire un concours de boules de boules lyonnaises, en l'occurrence, bon, c'est un jeu. Son père avait gagné ces petits qu'elle appelle pichets, je ne sais pas le terme exact, mais on la laissera dire pichets. C'était dans les années 1940, et pour elle, ces deux objets-là sont des objets donnés, sont des objets personnes, c'est les objets qui la renvoient à son père. Ils sont dans la collection, mais elle les singularise par son attachement à ces choses. Donc pour boucler cette boucle, il me faut évoquer une relecture de l'essai sur le don de Marcel Mauss qui a été faite par Jean Bazin, qui a été mon directeur de thèse. Dans un texte intitulé « La chose donnée », Jean Bazin insiste sur le supplément ajouté à la chose par son donateur. Je cite Bazin, « Le jour où oncle Victor a honoré mon baptême d'une timbale en métal argenté de chez Christophe et tante Agathe a honoré mon anniversaire d'un vase en céramique style néo-moustier, ils ont, par leur action, transformé un objet quelconque, substituable à une infinité d'autres, en une chose singulière, désormais désignée dans un monde donné par un nom propre. La timbale d'oncle Victor, le vase de tante Agathe. Et nous, là, nous voyons les pichets du père de Josette. Le don s'inscrit dans l'histoire d'un objet et l'enrichit, cette histoire. Il fait de l'objet une chose singulière et nous interdit de réduire les choses à l'état de signe ou de valeur, de témoin ou d'accessoire. Et Jean Bazin appelait les anthropologues à prendre les choses au sérieux, c'est sa formule, car une chose est la somme de tout ce qui lui est arrivé, à commencer par l'événement de sa naissance. Et c'est bien la chose singulière qui est au cœur du projet biographique. À cet égard, le fameux texte de Kopitov utilisait essentiellement des exemples types, des objets génériques, les huttes du Zaïre, la voiture en Afrique ou dans la classe moyenne américaine, les calebasses ornées au Nigeria, des objets d'art africains. Mais l'auteur expose également un cas singulier et il se met lui-même en scène dans une situation de rencontre avec l'objet. Il raconte comment, alors qu'il avait auparavant acheté plusieurs calebasses décorées dans l'aire Bamenda au Cameroun, une femme refuse un jour obstinément de lui vendre la sienne. Celle-ci était pourtant une calebasse très ordinaire, mais elle lui avait ajouté personnellement des décorations minimes. Et malgré l'insistance de ses amis, elle s'entêta et resta sur sa position. Cette femme était clairement attachée à sa calebasse, bien que cet objet apparaisse peu original. Et c'est d'ailleurs cette banalité de l'objet qui provoque l'étonnement de l'anthropologue, Kopitov donc. Pourquoi cette femme refuse-t-elle l'argent qu'on lui propose, alors que l'objet en cause est très banal et que ses décorations n'ont rien d'exceptionnel? Sur ce cas précis, Kopitov en reste au constat selon lequel tout n'est pas vendable selon les contextes, même si la logique économique voudrait que l'intérêt de la propriétaire aurait été de monétiser son bien. Mais il aurait selon moi été instructif d'essayer de savoir si cette femme était attachée affectivement à cet objet, à cette calebasse, ou si elle refusait de vendre pour d'autres raisons. C'est ce questionnement qui, à mon avis, est important dans l'exercice biographique. S'intéresser à un cas singulier, décortiquer la situation de rencontre entre objet et sujet, en l'occurrence la rencontre tripartite entre acheteur, propriétaire et objet, pour comprendre l'attachement des individus aux objets. Ce que nous apprend le travail sur le terrain, c'est que les objets sont des faits sociaux complexes qui ne sont jamais réductibles à une seule signification, à une seule fonction, à un seul récit. Pour l'anthropologie, les biographies d'objets ne sont pas une fin en soi. L'objectif de la recherche n'est pas de retracer et d'accumuler les biographies. L'objectif est bien d'étudier les rapports sociaux, car l'anthropologie est une science sociale. Et parce qu'elle est une science sociale,
Elle ne s'intéresse pas aux objets matériels en tant qu'objets d'étude, mais en tant qu'éléments intégrés à des interactions, voire éléments participant à des interactions. Les objets partagent des situations avec ceux qui les manipulent, se les approprient, les admirent et les désirent. Les situations sont également partagées par l'enquêteur, anthropologue donc, qui doit se montrer attentif à sa rencontre avec l'objet. C'est ce que montre Kopitov dans son exemple. Le grand historien de la civilisation matérielle, qui était Fernand Braudel, l'avait clairement affirmé. Il le dit, la vie matérielle, ce sont des hommes et des choses et des hommes. Enquêter dans le domaine des sciences humaines et sociales, que nous soyons historiens, ethnologues, sociologues ou archéologues, c'est rencontrer des hommes et des choses. Même pour une enquête purement archivistique ou pour une fouille archéologique s'intéressant exclusivement au reste matériel, l'enquêteur, le chercheur, rencontre aussi des hommes. Et sur ce point, ce qui différencie les disciplines, ce sont, entre autres, les comptes rendus de ces enquêtes. Car l'archéologue ou l'historien, généralement, écarte de leur compte rendu d'enquête les échanges avec le propriétaire de terrain ou le conducteur de tractopelle ou l'archiviste, l'élu local, etc. Mais comme anthropologue, mon travail doit aussi rendre compte de ces échanges et de ces rencontres. Sur le chantier de fouille du dépotoir industriel de Pont-des-Vernes, nous avons rencontré un conducteur de tractopelle, le propriétaire des ruines du terrain, un ancien potier, un cinéaste documentariste que vous voyez ici, et l'anthropologue que je suis doit tenir compte de ces échanges dans ses comptes rendus d'enquête, même s'il s'intéresse aux objets matériels. Je ne détaille pas pour ne pas prendre sur mon temps. Vous voyez à gauche, je suis avec un ancien potier qui examine la façon dont les objets étaient fabriqués avec son œil technique, un documentariste qui veut nous filmer pour éventuellement produire plus tard un film documentaire sur notre travail. À droite, le conducteur du tractopelle qui a décapé le terrain où nous avons travaillé. Et puis à gauche, le collectionneur qui est mon collègue de travail sur le terrain et le propriétaire du terrain. Les biographies de choses, nous dit Kopitov, les biographies de choses peuvent rendre saillants ceux qui resteraient obscurs autrement. Et c'est bien là l'apport fondamental de ce modèle d'enquête. Mettre au jour ce qui resterait caché par nos a priori catégoriels si on se limitait au point de vue habituel, c'est-à-dire si l'on se contentait d'étudier de façon compartimentée la production, puis la commercialisation, puis l'utilisation, puis la valorisation patrimoniale. Et l'historien François Doss insiste bien. Je le cite, « La figure du biographié n'est plus envisagée à partir d'une totalité uniforme postulée, mais tout au contraire interrogée dans ses tensions, contradictions, ses cités diverses d'appartenance. D'où une attention très forte aux interactions, au tissu même de l'enchevêtrement des vies, aux aléas du temps et de ses changements, de ses ruptures et brisures, provoquant autant d'altérations chez le biographié. C'est le devenir des objets qui nous intéresse. Avec ses ruptures et ses altérations. C'est un devenir rhizome, pour reprendre l'expression, l'image de Gilles Deleuze, qui réfute la simple linéarité. Je cite Deleuze, « Devenir n'est pas progresser ni régresser suivant une série. Devenir n'est pas une évolution, du moins une évolution par descendance et filiation. Le devenir ne produit rien par filiation. Toute filiation serait imaginaire. » Devenir est un rhizome, ce n'est pas un arbre classificatoire ni généalogique. La méthode biographique n'est pas forcément généralisable, mais plutôt à réserver à certains objets singularisables. C'est une méthode qui a ses limites et qui rend le chercheur modeste quant à ses prétentions scientifiques, car on ne peut pas connaître dans le détail l'ensemble des épisodes du parcours biographique d'un objet. Il restera toujours des lacunes. Travailler sur les objets nous oblige à l'humilité car finalement, ils nous échappent toujours, même quand nous croyons les tenir. L'idée d'un objet passif, contraint de témoigner des modes de vie et des spécificités culturelles d'un groupe humain, s'est vue opposer l'idée d'un objet résistant à la volonté de classement des anthropologues et muséographes. C'est pourquoi les enquêtes sur les objets ne doivent pas être perçues comme plus solidement positivistes que les enquêtes sur d'autres thèmes moins tangibles,
Nous sommes aussi en proie au doute et à la friabilité de nos assertions. Ce que l'on découvre sur le terrain nous laisse parfois dans le doute. Voici de vieilles semelles de chaussures trouvées parmi les céramiques dans le dépotoir. Des tessons en haut à gauche, des tessons mêlés à de l'argile crue et des colorants, donc des restes de processus techniques qui ont été jetés. Et puis une tête de poupée en plâtre, un modèle pour fabriquer des moules pour la céramique. Mais l'usine n'a jamais fabriqué de poupée en céramique. Alors qu'on l'a retrouvé, cette tête de poupée en plâtre, dans le dépotoir. Donc c'est un mystère. Que faire de tout cela ? J'ai pu adopter cette méthode biographique pour traiter certains cas singuliers, on l'a vu, mais mon travail s'appuie également sur une méthode d'enquête associant les savoirs, les outils de l'anthropologie, de l'histoire, de l'archéologie, sans se restreindre à une seule et unique optique. Les deux méthodes, biographique et interdisciplinaire, se croisent et se complètent dans certains cas précis, obligeant à mettre en pratique une véritable interdisciplinarité. Et au final, il me semble qu'il y a une continuité logique entre sciences sociales, travail biographique et interdisciplinarité. Travailler sur les objets et les techniques, c'est travailler un matériau très hétérogène et s'adapter à des méthodes et des pratiques disciplinaires variées. C'est un chantier pour l'interdisciplinarité par excellence.